C'est dans la tristesse que va se jouer ce Sedan Angers. Les Sedanais sont sûrs de terminer le championnat à la 19e place et certains d'être relégués en national la saison prochaine. Angers de son côté est 5e et peut terminer entre la 4e et la 7e place. Le podium n'est plus accessible. Angers a lutté pour obtenir une montée en Ligue 1 toute la saison, mais a dû céder lors de la journée précédente. Angers ne montera pas dans l'élite du football français. Un match que les Sedanais vont vouloir tout de même gagner à domicile avant de jouer à l'étage inférieur. Et ça débute bien grâce à Mickaël Le Bihan. Le but marqué dans les arrêts de jeu de la première période, c'est son 6e de la saison. Sedan, qui reste sur 3 défaites, est en train d'insister pour marquer le 2e but. Ça passe à côté. La réaction angevine avec cette frappe dans la surface de réparation, ça passe au-dessus. Mais c'est tout de même Sedan, l'équipe la plus entreprenante. Et le ballon capté par Grégory Maliki. Encore une chance pour les Sedanais avec cette frappe au-dessus. À la mi-temps, c'est bien Sedan qui mène 1-0. Des Sedanais privés de Dembélé suspendu. Dielna, Pogba, Diaby et Aïd Benidir sont blessés. Côté Angers, on évolue sans Couturier suspendu et sans Aurillac, Boyer, Diallo, Kécherou et El Jadeyaoui. Kécherou et El Jadeyaoui ont été les deux meilleurs joueurs angevins dans la saison. Kécherou, un des meilleurs buteurs de Ligue 2, et El Jadeyaoui, meilleur passeur du championnat avec 10 passes décisives dans la saison. Ses absences n'empêchent pas Angers d'égaliser avec ce but de Khalifa Traoré contre son camp à la 52e minute. Un partout, puis les angevins qui insistent et qui rapidement marquent le deuxième. 64e minute, Raled Ayari permet au SCO de mener à l'extérieur. 4e but de la saison pour le Tunisien, bien servi par Charles Diers. Une équipe d'Angers qui n'a gagné qu'une seule de ses 6 dernières rencontres et qui est en train de bien finir. Mais Sedan réussit à égaliser. 84e minute, Mickaël Le Bihan s'offre un doublé. C'est son 7e but de la saison. Des Sedanais qui ont encore quelques opportunités, les Angevins également. Va-t-il y avoir un vainqueur dans ce match? Non, le ballon est capté. Une dernière chance peut-être, et encore un sauvetage magnifique de Florent Perrault, le gardien de but du CSSA. Il préserve le point du nul pour son équipe qui jusqu'au bout va croire gagner. Mais le poteau sur la dernière action, à l'image d'une saison très difficile pour les Sangliers ardennais. Score final, 2 buts partout. Sedan termine 19e et est relégué. Angers a fait une très belle saison et finit le championnat à la 5e place.